Bonjour et bienvenue à tous pour votre guidance du 29 septembre 2023 de cette pleine lune en Bélier. Bienvenue Cancer, la lune est là pour vous, la pleine lune est là pour vous, pour visiter le monde de l'inconscient, pour sortir de vos peurs, pour vous libérer, pour faire que vous preniez conscience de ces peurs afin de les assimiler et les faire sortir. On est dans l'idée de l'importance de construire nos valeurs sur de bonnes fondations. Voilà, pour avancer, pour se mettre en mouvement. Avec cette lune, on vous invite bien sûr à vous relier à votre ventre, à votre inconscient, à votre féminin. Pour faire les choix, les bons choix déterminants pour votre bien-être. Et on a CAF, la paume de la main. Ce CAF vous dit, relie-toi, tends la main, offre ta main, sois dans la générosité. C'est une lettre féminine comme la lune, une lettre de gestation. Il y aura beaucoup de gestation, des enfants mis en route entre Moon et la paume. On est dans le féminin, on est dans cette pleine lune. De gestation, de changement, de mutation. On est dans la chaleur du ventre, dans la cuisson, dans la matrice également. Et puis il y a une idée de, quelquefois aussi, de quitter le cocon familial, d'aller trouver sa liberté, de s'ouvrir, de regarder vers l'avenir. Es-tu maître de ton destin? Sais-tu recevoir? Sais-tu garder un secret? Qu'est-ce qui est en toi en gestation? Ta main accueille. Écarte légèrement les doigts. Je vous laisse sur ces mots. Et puis on va tout de suite voir les rites de la mort. Les rites de la mort, bien sûr, qui parlent de passage, de cérémonie, de rendre hommage à la vie qui passe, aux saisons qui passent, aux pleines lunes qui arrivent et qui vont passer. On est dans l'idée d'honorer ceux qui nous avons aimés, qui sont partis, de nous réconcilier avec nos deuils, de faire la transition pour avancer, de tourner le dos au passé, d'aller de l'avant, de travailler sur les peurs, encore une fois les peurs, comme on l'a dit avec la lune, pour avancer, pour transformer, regarder notre héritage, nos ancêtres, ce que nous avons fait aussi, notre passé, pour aller de l'avant. Bravo Cancer, je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt. Pour une pleine lune, n'hésitez pas à aller voir votre guidance d'octobre. À très bientôt.